quête touche à sa fin. Vous êtes le premier mortel à atteindre la boîte de Pandore. Vous pouvez encore sauver Athènes, rapporter la boîte dans ma cité et utiliser-la pour tuer Arès. Retournez à Athènes, Kratos. Allez sauver ma cité. La boîte de Pandore put enfin être libérée. Kratos avait trouvé le moyen de détruire le dieu de la guerre. Loin de là, à Athènes, Arès sut que Kratos était parvenu au bout de sa quête. Ainsi, Spartiate, vous avez retrouvé la précieuse boîte de Zeus. Mais vous ne vivrez pas assez longtemps pour l'avoir ouverte. J'y veillerai. Adieu, Spartiate. Vous pourrirez dans les profondeurs des enfers pour l'éternité tout entière. Tandis que la vie quittait le corps de Kratos, il repensa à cette nuit fatidique. Même dans la mort, les souvenirs, les visions ne disparaîtraient pas. Comment pouvait-il oublier qu'il avait fait couler le sang de sa propre famille? Un tour cruel, orchestré par le dieu de la guerre. Ma femme, mon enfant, comment? Elles étaient à Sparte. Vous évoluez comme je l'avais imaginé, Kratos. Maintenant que votre femme et votre fille sont mortes, plus rien ne vous retiendra. Vous allez devenir encore plus fort. Vous allez devenir la mort en personne. Mais tandis que le temple s'embrasait, Kratos réalisa que son véritable ennemi était le dieu qu'il avait autrefois sauvé. Ce même dieu qui lui avait maintenant tout pris. Arès ! À partir de cette nuit, la marque de votre terrible crime sera visible par tous. Les cendres de votre femme et de votre fille resteront collées sur votre peau. Jamais elles ne s'en iront. Avec cette malédiction, nul ne pourrait ignorer le monstre qu'il était devenu. La peau blanchie par les cendres de sa famille trépassée, le fantôme de Sparte était né. Finalement, dans la mort, il avait échoué. Alors que les serviteurs d'Arès s'emparaient de la boîte de Pandore, Kratos s'éteignit et son âme maudite fut jetée dans le feu des enfers. Et Kratos fut précipité dans l'autre monde, attiré dans le Styx, dont les courants étaient assez puissants pour transporter le plus fort des mortels jusqu'à son lieu de repos éternel. Mais Kratos n'avait pas l'intention de se reposer.
Il avait l'intention de vivre, de revenir sur Terre et d'achever sa quête. Mais lâchez-moi! Vous ne m'entraînerez pas dans ce fleuve maudit! Il me reste une tâche à accomplir là-haut. Et j'y arriverai. Encore vous?